Bonsoir, bonsoir. Donc, je m'en vais juste l'autre côté pour aller partager le live. Ça sera pas long. Je suis pas loin, inquiétez-vous pas. Bon, y es-tu là? Non. Ce sera pas bien long. Bonjour Chantal. Bonsoir Chantal. Fait noir. Bonsoir. Ah, je vais le voir. OK. Partager. Dans mon groupe. Publier. Et partager. Donc, ce soir, comme je l'ai dit, il y a à peu près une dizaine de minutes, je mijote quelque chose de très sucré dans le fond de ma taupe ronde. Alors, c'est un dessert. Aujourd'hui, je suis allée au Dolorama, puis je suis passée devant les sacs de sucre à crème, puis j'ai fait « Hum, me semble que ça serait bon ça ». Puis là, j'ai dit « Hey, attends une minute, je vais le faire moi-même ». Et j'ai fait tantôt un test qu'on va vous montrer. Et je vais vous montrer comment c'est facile à faire. Alors, comme je le disais, le top round que j'ai ici, c'est le contenant complètement en bas qu'on prend. Et ceux qui veulent la recette, vous me le dites, vous m'écrivez « recette en bas ». Bon, moi, j'ai trouvé une recette que j'ai un petit peu... varié parce qu'il y a un ingrédient que j'avais pas, mais que cet ingrédient-là faisait quand même. Donc, de la crème. Ensuite de ça, de la... Là, je vous le dis, hein, c'est sucré. Ouais, oui, t'as faim, c'est ça. Écoute ton hockey. Michel, il dit qu'il a faim. Et là, c'est parce que il écoute son hockey en arrière, mais je lui ai mis des écouteurs comme ça, vous entendez pas. ben, sais-tu, c'est la première fois que je le fais, puis on va tester le résultat tantôt ensemble. Fait que je vais pouvoir te répondre. Si tu restes avec moi jusqu'au bout, je vais pouvoir te répondre. Donc, ça sera pas long, je vais juste rincer ma tasse à mesurer. Fait que si jamais vous entendez crier à soir, là... Ben, c'est parce que ça va... Ah! Ils ont pas crié trop fort, puis ça a l'air qu'ils viennent de marquer. Bon! C'est 4 à 1. Bon, c'est 4 à 1 pour ceux qui aiment le hockey et qui sont pas en train de l'écouter. C'est canadien! Donc, de la cassonade et du sucre. Je l'ai-tu dit que c'était sucré? OK, on mange peut-être pas ça tous les jours. Voyons, la misère avec mon sucre. Ah, je l'ai eu. Ensuite de ça, on met du sirop d'érable. Là, j'espère. Je crois bien que ça va être correct. J'espère qu'il y en a assez. Et il en manque un peu, il en manque un peu. Attendez un petit peu. Je vais aller chercher ma spatule. On va gratter comme il faut. Oh, j'avais un petit fond dans mon sucre. OK. Bon, il en manque une petite affaire, mais je pense pas que ça fasse une grosse différence. Alors, mon sirop d'érable. Et je vais aller gratter comme il faut pour avoir vraiment tout mon sirop d'érable. Et là... Un coup que tous les ingrédients sont dedans. On va tasser un peu d'affaires. Oh, je vous ramène sur mon pot. Donc, un coup que j'ai mis tous les ingrédients, tout ce que j'ai à faire, c'est de brasser. Bon, dans la recette, ça disait lait de coco. Moi, j'en avais pas. Fait que je me suis dit... Bonjour, Nicole. Bonsoir, Nicole. Oui, ça va bien. Puis oui, ça va être bon. Fait que... Je fais juste brasser ça comme il faut. Oups!
J'avais ouvert mon lave-vaisselle pour qu'il arrête de faire du bruit. Et je vous amène avec moi au micro-ondes. Bon, on met tout, hein. Je suis tout. Hey, puis, avez-vous vu ça? J'ai eu mon tablier! Yeah! En participant, attendez un petit peu, je suis pris dans mon fil, ça sera pas long. Oh, excusez, j'espère que je vous ai pas donné mal au cœur. Donc, on envoie ça au micro-ondes. Et c'est vraiment pas long, vous allez voir. On met ça. Bon, ça marche pas mon affaire. OK. Donc, on met ça au micro-ondes pendant 8 minutes. Puis bon, habituellement, on dit, OK, on a mis ça au micro-ondes, ciao, bye, on s'en va. Dans le cas de cette recette-là, je vais aller me dégommer les mains parce que sont collées. Dans le cas de cette recette-là, il faut rester proche parce que ça cuit pendant 8 minutes, mais il faut le brasser à tous les 2 minutes. Donc, faut pas aller trop loin, mettons. Puis, hey, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai eu mes mitaines aussi. Elles sont vraiment belles puis sont confortables. Vraiment bien. Là, ça dit... Mon mari dit, tu peux aller pelleter. Wow, la neige, pas de suite. Ça disait de les mettre à la fin dans un moule, le moule en silicone. Moi, je ne l'ai pas encore. Fait que j'ai utilisé le moule chauffe et serre, celui-là. Ça le dit-tu quelle grandeur? Oui, le 6 tasses. Fait que j'ai mis ça là-dedans. Et puis, vous allez voir ça tantôt, là. Fait que faut qu'on jase pendant encore 50 secondes. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de bon, vous, aujourd'hui? Moi, j'ai travaillé, puis j'ai fait une recette en arrivant que j'ai pas pris le temps de vous faire un live parce que c'était vraiment pas compliqué, là. J'ai pris des choux-fleurs, du brocoli, j'ai mis ça dans ma tupperonde. J'avais des filets de porc que j'ai mis dans le dessus de ma tupperonde. J'ai envoyé ça 30 minutes au micro-ondes, puis that's it. Fait que j'avais pas grand live à faire avec ça. Fait que je l'ai pas fait. Puis aussi, ben, parce que j'ai de la compagnie, vous allez le rencontrer tantôt. Il s'en vient me porter le sucre à crème qui est dans le frigidaire. Il va venir vous voir, vous dire un coucou tantôt. Et c'est lui qui m'a demandé s'il pouvait participer. Fait que j'ai de la visite en fin de semaine. Fait que j'ai pris du temps avec lui tantôt. On a écouté un film. Hey, non, mais on a écouté un film. Ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas écouté. Là. On a commencé à écouter Madame Doubtfire. Hey, ça, c'est un bon film, pas à peu près. Chantal, tu as fait du lavage, puis tu as joué à un jeu avec un groupe d'amis. Ah, c'est cool, ça. Pas le lavage, là, mais jouer à un jeu, ça, c'est cool. Ben, ça dépend, le lavage, des fois, ça peut être cool, là, mais... Wow, je t'apprends à passer tout droit. Hey, c'est beau jaser, mais là, il faut aller brasser. Fait qu'on le prend. Je vais essayer de vous le montrer, là. Hey, ça sent déjà bon. Fait qu'un petit coup de brasse, comme ça. Un petit coup de brasse de même. Jeu en ligne, en plus, ça, c'est cool. Fait que tu peux être dans ton pyjama puis jouer avec tes amis. Ça, c'est nice. Fait qu'on retourne ça au micro-ondes encore. Un autre 2 minutes. On continue le timer. Puis là, cette fois-ci, il faut que je le check, là. Fait que ça va être un petit peu moins que 2 minutes parce que j'avais dépassé un petit peu, mais bon. Chose intéressante, qui est la troisième personne qui me... Ah oui, c'est Michel, c'est bon. J'étais là, qui est la troisième personne? Ah oui, t'as été faire couper les griffes de ton ou tes chiens? Ah, tes chiens, OK. Je pensais qu'il n'y avait rien qu'un, j'étais pour dire, puis l'autre, lui. Puis, faut que je check. Reste 1 minute. Ça passe vite 2 minutes quand on est en bonne compagnie. Je disais donc que oui, c'est ça. Le sucre à crème, j'en faisais jamais parce que je ne le réussissais jamais. Puis là, à soir, je me suis dit, pourquoi pas essayer maintenant que j'ai des bons outils pour le faire? Et puis, ah, oh, 5 à 1, Canadien? 4 à 1. Ah, OK. Quoi? Puis, c'est ça. Fait que, j'essaie. Ils viennent de marquer. Ah ah! Je pense que j'ai parlé trop vite. Il y a un petit peu de décalage entre chez Chantal et chez nous. Je lui ai annoncé qu'il y avait un but qui s'en venait.
20 secondes, puis on va brasser encore un peu. Ça va être une grosse game ce soir. Et puis, oui, ça va être une grosse game parce qu'il faut qu'ils gagnent, voyons. Hey, c'est assez, là. Voyons donc. Donc, un autre petit coup de brassage. Oui, vous allez dire, ça fait pas 2 minutes, c'est vrai, parce que je l'ai dit tantôt, j'avais dépassé un peu mon temps. Fait que, hey, si vous verriez ça, regardez ça, ça fait... Aïe, 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 c'est chaud. Ça fait des bulles, c'est... Oh là là, ça sent bon. C'est juste ça qui est plate, par exemple, avec les lives puis les démonstrations en ligne. Parce que vous pouvez pas sentir... Hey, j'ai des mitaines pas pour rien. Moi, je devrais commencer à les prendre. On continue ça. Je vais juste aller me dégommer les mains. C'est bon, c'est sucré. Ah, qui est la quatrième personne? Dis-nous bonjour dans le chat. Comme ça, on va pouvoir savoir qui est là. Et puis, excuse Chantal, maison, pourquoi? Parce que là, je vois ton maison, mais maison quoi? J'ai pas vu quand est-ce qu'il est apparu, donc je sais pas sur le quoi que t'as dit. Hey, je me suis fait mal pour vrai. C'était chaud pour vrai. Faut que je mette mes mitaines pour vrai. Fait que c'est ça. Fait que tantôt, je me suis dit, ah, oh, j'irai pas en live. Tu sais, tout d'un coup, j'avais pas trop confiance en moi. Tout d'un coup, je le réussis pas. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais réussi mon coup. Fait que j'ai dit, ben là, c'est assez. On s'en va en live, puis on s'en va montrer ça à nos amis. Ah, que les Canadiens vont avoir une grosse game. T'as raison. Faut plus qu'ils perdent, là. Faut qu'ils gagnent un peu, là. Donc, qui est la quatrième personne? Manifeste-toi. Ah, puis en passant, gang, soyez là cette semaine à partir de demain matin sur le groupe parce que j'ai un party Tupperware qui commence demain matin jusqu'à mercredi soir. Puis, mercredi soir à, je crois, bien 8 heures, là. Faut falloir que je vérifie pour être sûr, mais il me semble que c'est 8 heures. En Zoom, il va y avoir le méga party des recettes, mais du monde. Donc, au travers le monde, on va avoir de l'Indien, on va avoir de l'Haïtien, l'autre, je sais pas c'est quoi. Puis, c'est 3 sœurs ensemble qui vont, ben ensemble, chacun de leur maison, qui vont cuisiner. Pas trois sœurs, c'est pas vrai, je me reprends. C'est... Mon amie Nathalie, avec sa fille et sa sœur qui est dans une autre maison, est avec sa fille dans la même maison, qui vont nous faire des recettes. Je vous le dis, gang, ça vaut la peine, ça coûte rien. Puis en plus, c'est vraiment intéressant, on passe une super belle soirée. Donc, on a cette soirée-là. Wow, je t'apprends à passer tout droit, gang. Et ça bulle, ça bulle. Alors, regardez-moi ça. Et puis ça sent bon, là, je vous le dis, là, c'est fou. Fait qu'on brasse un petit shot, puis après ça, ben, ça va être la dernière shot. Non, c'est pas vrai. Puis là, ben, je vais faire de quoi? Parce que quand ça va sortir dans 2 minutes, parce qu'il reste 2 minutes, oh, ça sent bon. Tantôt, je l'ai fouetté avec mon fouet normal. Mais là... Bon, Chantal, ouais, il était moins chaud, on dirait, là. Je sais pas pourquoi, là, mais en tout cas, c'est pas quelque chose à comprendre. Ça sera pas long, là, je m'en vais au sous-sol. Mais non, j'ai pas de sous-sol chez nous. Je m'en viens chercher ça. Mon beau petit... Oh, excusez. Elle aime pas ça, je pense, d'avoir des plats Tupperware au lieu des chaudrons, ma Suzette. Donc, je m'en viens chercher mon Supersonic. Avec mon fouet, tantôt, je l'ai fait avec le fouet normal. Puis là, mon mari m'a dit, « Hey, pourquoi tu prends pas ton Supersonic? Ça va être bien plus le fun. » Fait que là, pourquoi pas essayer avec le Supersonic, voir ce que ça va donner. Fait que, il nous reste 1 minute, gang. Est-ce que la quatrième... Ah, elle est partie, la quatrième personne. J'y ai-tu fait peur? Bon, ben, coudonc. Fait que, dans le fond, c'est ça. Ce que ça dit, c'est qu'un coup qu'on a tout sorti ça, bon, habituellement, on mettrait de la vanille, de l'essence de vanille, mais là, je crois que ma fille a terminé l'essence de vanille l'autre jour avec sa recette. Donc, j'en ai plus. Fait que j'en ai pas mis. Puis, de toute façon, je pense qu'avec tout le sucre qu'il y a là-dedans, ça fera pas une grosse différence. Et ça dit de brasser ça pendant
7 minutes, OK? Mais là, peut-être que ça prendra pas 7 minutes. Pour... Puis là, oui, je vais t'écouter, là, je vais mettre mes gants, Chantal. T'as raison. Donc, dans 15 secondes, on va aller chercher... Hey, ça sent bon, c'est fou, là. Et puis, tiens, je vais peut-être pogner mon helper pour venir faire la corde. Quelle corde? Attendez un instant, là. Hey, ça sent bon. Non. Non? Non? Bon, mon mari veut pas que je prenne mon helper. Bon, si tu es assez correct. Pas tout de suite. Donc, on verse ça dans notre... Wow! Supersonic. Oh, vous le voyez même pas. Ça sera pas long. Bon, je vais me mettre ici. Donc, j'ai tout versé ça dans le supersonic. On gratte comme faut. C'est ce qui est le fun avec les spatules en silicone. Ils ramassent vraiment tout. Pas de gaspillage. Je m'en disais comme Maria, on gaspille pas chez Tupperware. Donc, j'ai mis ça là-dedans. Oh, ça colle, mon ami. Ah oh, oui, j'ai tout échappé à côté, hein? Bon. Ce sera pas long, là. J'ai fait un petit dégât. Fait que, on prend ça. Là, avant que ça colle sur mon poêle, puis je ne sois plus capable de le décoller. Et là, on va voir. Puis si ça réussit pas, c'est pas de ma faute, OK? Parce que c'est mon mari qui m'a dit de faire ça. Oh, j'ai pas parti le timer. Fait qu'on part un petit timer. Mais là, ça dit 7 minutes. Mais moi, je pense pas que je vais avoir besoin. Hey, allô, Émilie! Je pense pas que je vais avoir besoin, moi, de brasser ça pendant 7 minutes là-dedans. Parce qu'on s'entend-tu que ça fouette pas mal plus qu'à main? Ben, si vous voulez rester avec moi, ça me dérange pas pantoute. Ça me fait des amis, c'est le fun. Fait que c'est le fun parce que tout ce que j'ai à faire, c'est... Hein? Un petit peu d'exercice, mais ça va vraiment bien, là. Là, je veux juste pas brosser trop fort parce que ça serait mon genre de tout renverser partout quand je brosse trop fort. Fait que... Hey, c'est long, 7 minutes, quand même, hein? Toi, Émilie, aujourd'hui, ça a-tu bien été au travail? Parce que tantôt, on... Oui, c'est ça. Sécurité avant tout. T'as bien raison, Chantal. Des fois, on oublie la sécurité, hein? On veut faire tout trop vite, puis... Fait que j'avoue que ça fait du bras, quand même. Finalement, c'était pas si pire que ça. Brosser tout à l'heure avec mon fouet. Ouais, de toute façon, il est dans le lave-vaisselle. J'aurais même pas pu le prendre. Il resterait 5 minutes, mais moi, d'après moi, là, ça le disait pas de brosser avec l'extra... pas l'extra-chef, ça, c'est l'ancien. Ouais, c'est ça. Pas besoin d'aller au gym avec le supersonic. On fait notre exercice à la maison. Je te le dis, Émilie, tu vas vouloir l'avoir, celle-là. Mais moi, je pense que c'est prêt. On va aller checker, OK? Oh oui. Oups. Fait que... Hey. Checkez-moi ça. Y en a-tu qui veulent venir à Blainville dans une heure? Vous êtes les bienvenus. Venez manger. Hey, puis à part de ça, savez-vous quoi? Vous pourriez même vous en venir tout de suite. J'en ai un de prête. Bon. Fait que... Comme je vous disais, moi, je le mets pas dans mon moule en silicone puisque je l'ai pas. Fait que, on transvide ça ici. Pas de gaspillage. On gratte partout. J'avoue qu'il va peut-être être mieux brassé que l'autre. Parce que celui-là, il brasse uniforme, tu sais. Là, j'ai un petit gars qui va peut-être vouloir venir licher la spatule. Parce que tout à l'heure, il a bien aimé ça. Oui, mais là, vu que tout à l'heure, le petit a liché la spatule, cette fois-ci, on va la donner au grand. Non. Puis là, le petit... Ah, le petit... Bon, ben, viens. Fait
Fait que je vous montre ça. Aïe, checkez ça, toi, si ça a de l'allure. C'est beau, hein? Puis là, il va licher la spatule. Colle-toi pas trop. Puis va me chercher celui qui est prêt. Puis mets la spatule dans le lavabo. Parce que là, on s'en servira plus quand même, là. Hey, t'as-tu fini, mon four? Fait que tu vas-tu me chercher celui qui est dans le frigidaire? Mm-hmm. Fait que j'ai mon petit helper, Julien, qui est en visite chez nous pour la fin de semaine. C'est notre petit gars adoptif, celui-là. On l'adopte de temps en temps de même. Il vient passer du temps à la maison, puis c'est le fun. Fait que ce sera pas long, là, il s'en vient. Il était après se sucrer le bec, là. On va voir si c'est prêt. Ah, oh, ça a l'air trop bon. Hey, c'est prêt, ça. Hey, regardez ça. Miam, miam, miam. Tu vois, qu'est-ce que je disais tantôt? Ça, c'est celui que j'ai brassé à main. Fait qu'on voit qu'il y a peut-être des petits spots que ça n'a pas si bien brassé que ça, tandis que l'autre, on le voyait, il était tout uniforme. Fait que désolé, je peux pas vous en faire goûter. Fait que si vous voulez la recette, vous m'écrivez recette, je vais vous l'envoyer avec plaisir. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Puis, ben, c'est ça. Fait que, passez une bonne soirée. Bye bye, gang! Yeah, j'ai faim!